Bon matin tout le monde! On est dimanche. J'ai oublié la date, mais c'est la fin de février. Et aujourd'hui, ce matin, Woody, il y avait une formation à Châteauguay, fait qu'il est quand même parti à 7h, je pense. Puis il s'est fait un café, un smoothie, fait que ça m'a vraiment tout réveillé, tout ça. Hier, il a fait la même affaire, fait que ça fait 2 jours que je me lève comme à 6h45 la fin de semaine. Mais je me lève à 7h la semaine, là, mais on dirait que c'est weird de se faire lever plus tôt la fin de semaine. Puis il m'a préparé un bon smoothie. J'étais vraiment contente. Fait que j'en ai profité pour ranger justement le bordel de Saint-Hubert qu'on a eu hier. Parce que on a commandé. Grosse histoire là. J'ai essayé de commander en ligne, ça marchait pas. J'ai appelé, on a commandé. Ça a été livré genre après 1 heure et demie d'attente. Fait que ça a été livré à 8h le soir. Puis quand c'est arrivé, tout était genre fret et tout était mal. Ben il manquait des articles. Fait que maintenant j'ai commandé un 4 filets de poulet, frites, sauce et petits pains. Puis il n'y avait pas les filets de poulet. Fait que j'ai appelé pour comme un peu me plaindre parce qu'il n'y avait pas le menu principal dans mon menu principal. Mais je suis pas fâchée, là. Anyway, c'est Saint-Hubert. C'est Saint-Hubert, là. C'est pas comme si c'était un petit resto que, genre, il prendrait plus la critique. Je vais racheter chez Saint-Hubert. Fait que là, c'est ça. Hier, il a comme fallu qu'on mette tout dans des assiettes. En tout cas, ça a été compliqué. Fait que, genre, j'avais du mess. Fait que ce matin, j'ai tout rangé ça. J'ai défait la vaisselle. J'ai passé à lavage. Que là, faut que je mette dans sécheuse. J'ai défait la vaisselle. Ouais, j'ai défait la vaisselle parce que j'ai fait la vaisselle. Puis j'ai défait la lave-vaisselle parce que j'avais parti de la vaisselle. Vous comprenez? Je me suis entraînée avec Kat Bastien ce matin. C'est vidéo YouTube gratuite. Et après ça, ben, j'ai été dans la douche. Ça fait du bien. Puis je me suis tout exfolié le corps. Ça a fait le plus grand bien possible. Surtout moi avec mon psoriasis partout. Ça fait vraiment du bien enlever les peaux mortes. Je sais pas comment. Je vous épargne les détails. Et là, ce matin, j'ai le goût d'essayer les patchs correction Dermolif yeux poche cerne effet lissante instantané de Karine Jonca. Tout le monde en parle, tout le monde en parle. Elles m'ont coûté 3$ à l'unité. Fait qu'on va voir si je les aime mieux que ceux de Chlorane au bleuet. Mais il me semble que ceux-là sont plus chers. Ça coûte 3$ l'unité. Fait que je vais les laisser 15 minutes sur mes yeux. Et après ça, aujourd'hui, c'est super simple. Je dois aller à l'épicerie. Je vais voir si je fais une grosse épicerie ou non. Puis je vais voir comme... J'essaie de pas dépasser les vlogs de 30 minutes, vous le savez. Fait que si je dépasse, mettons, l'épicerie, j'amène dans une vidéo à part. Anyway, les vidéos d'épicerie sont comme 2 fois plus vues qu'un vlog normal. Fait que ça vaut plus la peine pour moi, mettons, là, dans un sens. Puis pour ceux qui aiment juste les épiceries, ben, ça vaut aussi plus la peine pour eux. Puis aujourd'hui, le plus gros, c'est que ce matin, j'ai fait une correction sur ma commande Amazon. J'avais pas mis la bonne carte de crédit. Fait que j'ai commandé beaucoup de choses parce que je voulais pas aller au Canada Tire. Moi, en tant qu'encouragée à Canada Tire ou Amazon, ça revient au même. Là, ça revient de multinationale. Je sais pas comment dire. Je comprends. Pour moi, acheter local, c'est vraiment genre aller au la petite boutique de ma région, là, et non Canada Tire ou Saint-Hubert, mettons. Là. Pour moi, c'est pas local. Fait que j'ai commandé sur Amazon des cadres, parce que je vous ai expliqué, je vais faire mettre mes diplômes finalement dans des cadres. J'ai commandé un filtre pour mon Brita, parce que je bois. Je pense qu'on le remplit 2 fois par jour, tellement qu'on prend. Ben, on prend beaucoup d'eau ici. Et là, ben, ça coule plus presque. Fait que j'ai acheté un autre filtre. C'est comme 7$. Puis c'était le même prix chez Canada Tire ou chez Amazon. Fait que j'ai pris chez Amazon. Puis là, les cadres, j'y trouvais pas nulle part ce que je voulais. En tout cas, le style. Ça tentait pas de faire 15 magasins en temps de pandémie. Fait que j'ai juste acheté sur Amazon les cadres. Fait que j'ai tout acheté. Les cadres, j'ai acheté des collants pour supporter les cadres derrière. Je vais vous montrer si ça marche. J'ai acheté le filtre à Brita. Et j'ai acheté. Il me semble que j'avais acheté autre chose. En tout cas, on verra bien. Ça va arriver mardi. Fait que je vous montrerai ça dans un prochain vlog.
C'est ça, fait que j'ai arrangé ma commande Amazon. Puis aujourd'hui, on s'en va. Ben, je m'en vais souvent rejoindre ma mère. On va aller magasiner. Puis en gros, faut que j'aille chez Sale parce que j'ai besoin de bottes d'hiver. Oui, je sais que l'hiver est fini, sauf que c'est là que c'est en spécial. Fait que moi, je grandis pas des pieds depuis même l'âge de 12 ans. Fait que je sais que si je m'achète des bottes à la fin de l'hiver, ils vont me faire à l'autre hiver prochain. Fait que je vais faire une grosse dépense. J'ai un bon budget de. Je me mets un maximum de 200, mettons, là. Puis ça, tout est à comme minimum 20% de rabais, je pense, sur les bottes. Puis je veux vraiment m'aligner pour soit des Sorel, des Columbia, des Baffin. C'est comme une bonne marque. Peut-être Camic aussi. Camic, c'est pas si peu. Fait que je vais aller voir s'il y a bien du monde que je connais qui travaille encore chez Sale. Fait que c'est pas mal ça. Ça vous tente de me suivre dans ma journée d'aujourd'hui. Sinon, j'ai quelques petits trucs que j'ai achetés que j'aimerais faire unboxing. Dont Tupperware, Dynamite. Donc, deux petits trucs que j'aimerais vous montrer. Ça vous tente. Donc, ben, suivez-moi au courant de ma journée. Bon, j'ai fait ça très léger. Je me suis juste maquillée les yeux puis les sourcils. Puis j'ai juste mis une crème sur ma peau. Parce qu'il faut crémer après savoir exfolier. J'ai pas envie de mettre du fond de teint ou du cacherne puisque je viens de le faire justement pour mes poches. Ah, j'ai oublié de faire mon rouleau. Bon, c'est pas grave. Et là, je viens de parler avec Audrey de la chaîne Dans la tête d'Audrey, si jamais ça vous tente. On parlait de IPL versus laser sans douleur. Fait que si jamais vous avez d'autres questions encore, je répondrai dans un autre vlog. J'y retourne le 16 mars. Fait que je referai un autre bout dans un autre vlog, juste pour comme vous réexpliquer. Mais gênez-vous pas, tu sais, comme Audrey, là, gênez-vous 100% pas pour me parler en DM. C'est beaucoup plus facile, par exemple, que commentaire YouTube, là. Puis même, tu sais, on peut parler par voice-over, là. Ben, comment dire, on s'enregistre vocalement. Là, j'avais trois petits produits à vous dire que j'ai terminés. Fait que je voulais vous les présenter. Puis je vous en ai déjà parlé. Fait que ça la donne bien. Donc ça, c'est mon spray visage désaltérant de Clinique que j'ai terminé. Je l'avais reçu par ma soeur à Noël. Je l'ai beaucoup aimé. Je ne crois pas le racheter. Tout simplement parce que je l'ai vraiment aimé. Je l'ai vraiment aimé. Mais je l'ai aimé parce que sûrement parce que je l'ai reçu en cadeau. J'ai pas checké c'est quoi le prix. Ça, c'est le format échantillon voyage là, qui vient dans un gros paquet de Clinique. Ouais, c'est ça. Je pense que j'ai aimé le principe parce que avant j'ai toujours aimé ça, mais je pense que je vais me retourner vers une brume justement de visage. Mais quand même, je vais aller sur Sephora puis voir c'est quoi quand même le prix. Le deuxième crédit que j'ai fini, c'est le Tattoo Liner de Kat Von D en échantillon. Je l'avais reçu, je pense, par le cadeau de Sephora l'année dernière. Je l'avais déjà eu en échantillon, je l'avais déjà acheté, je l'ai re-eu en échantillon. Je l'adore, sincèrement. Si c'était pas juste du prix qui est comme 25$, ça serait que lui que je prendrais. Mais c'est ça, je le trouve dispendieux. Mais il vaut la peine si vous voulez un eyeliner sacoche. Puis moi, c'est vraiment ça que j'aime, là. C'est quand la petite feutre est comme ça, là. Vous voyez, là, c'est vraiment un crayon feutre. Tandis qu'en ce moment, ce que je trippe pas du nouveau eyeliner que j'ai, c'est vraiment comme sur un bâton. J'aime mieux que ce soit comme un crayon et non sur un bâton comme ça. Ok, le deuxième produit que j'ai trippé encore ma vie, mais c'était pas du prix, que je pense qu'il est comme 30$ et plus, je le rachèterais. Il est encore, moi, je trouve que lui, il est meilleur que le Tattoo Liner. Donc, c'est le Stila et c'est le eyeliner Stay All Day. Ouais, Stay All Day. Fait que ça aussi, c'est un crayon à pointe feutre. Je le trouve meilleur, meilleur, meilleur. Mais c'est ça, comme je dis, vous pouvez le trouver au Pharmaprix ou au Sephora. Mais il est comme 30 pièces. Fait que c'est ça. Celui-là, je pense que je me l'avais. Je l'avais reçu en cadeau. Ouais, c'est ça, je l'avais reçu en cadeau. Ok, voilà. Fait que les tout petits produits que je peux maintenant disposer. Je vous en ai parlé. Là, je vais aller me sécher les cheveux et m'habiller. Puis après ça, on va texter ma mamie pour voir si je la rejoins chez eux. Je vais aller voir les chats, puis tout. Puis le chien. Puis après ça, ben, si on s'en va après ça au magasin.
Que c'est pas mal ça pour l'eau, là. Pour l'eau. Bon, je vous filme mon nouveau achat. Donc, je l'ai pris chez Dynamite. C'est un full beau manteau, un petit peu plus... comment dire? Propre. Fait que ça, c'est le modèle, puis il en restait presque pas. Fait que c'est le Montmartre. Je l'ai pris en small parce qu'il n'y avait aucune autre grandeur. Je voulais voir au médium, mais il n'y en avait pas. Je l'ai, il était 139. Après ça, il était 99. Puis moi, je l'ai eu à 69. Fait qu'en tout cas, il était, mais dans le fond, 50% de rabais. Puis ça, j'ai commandé noir. Puis finalement, il n'y en avait plus. Il était backorder. Ils m'ont écrit un courriel. Puis là, je l'ai pris en gris. Puis je vais vous montrer sur moi. Bon, c'est pas plus haut, mais en tout cas. C'est ça. Fait que ça donne cet effet-là. Oui, il trouve qu'il est comme pas très cintré à la taille. Puis je le donne. C'est vraiment comme un manteau. Il est plus fait... je sais pas, comment dire. Il n'y a pas de taille cintrée. Puis la... Tu sais, ça, on s'entend que je vais l'attacher comme vite, vite de même. Là. C'est surtout parce que je trouve ça pratique pour le concessionnaire. J'enlève toujours mon manteau. Tu sais, je sors dehors, je mets mon manteau, je rentre dedans, j'enlève mon manteau. Puis je fais ça souvent in and out. Fait que je le trouve super pratique parce que c'est comme des... Puis il va falloir que je fasse attention, là, parce que c'est deux boutons. Comme ça. Sinon, tu sais, je vais le laisser comme loose de même. Là. Mais au moins, c'est juste pour dire que j'ai quelque chose sur moi, surtout mars, avril, mai, pour pas attraper froid parce que je me connais. Je pogne la grippe, vite. Puis on veut pas pogner la grippe en temps de pandémie parce que t'es pogné chez vous, même si t'as pas le COVID. Fait que c'était pas mal ça. Il ressemble à ça, puis il m'arrive. Est-ce qu'on va voir? Non, on va pas. Mais il m'arrive vraiment aux genoux. Moi, je le trouve beau. Tu sais, surtout à 50% de rabais, je le trouve beau. Puis, c'est quand même qualité Dynamite. Fait que, tu sais, j'aurais sûrement pu le prendre à 70$, mais tu sais, comme au H&M. Mais j'haïs. Moi, à chaque fois, je prends du linge chez H&M, Urban Planet et tout, c'est tralala. Et il arrive tout le temps une bad luck, puis le vêtement se brise, puis j'ai comme piché mon argent dans les poubelles. À chaque fois. Tandis que Dynamite, souvent, mes vêtements, ils durent comme presque 5 ans environ, là. Parce que j'ai tout le temps la même shape, puis tout le temps la même grandeur, fait que... Ben contente de ce petit achat-là. Puis j'ai vu, dehors, surtout dans les vlogs, ben dans les stories Instagram de tout le monde, qui faisait super... Ben, il faisait 3. Fait que je pense que je vais le mettre, puis je vais aller le présenter à ma mère, parce que ma mère, elle adore aussi les vêtements propres comme ça. Fait que je vais lui demander son avis, puis anyway, ben, il est pas retournable. Mais au pire, s'il me fait vraiment pas... peut-être quelqu'un qui le voudra, là, mais je vais aller demander au moins l'avis à ma mère. Fait que je... On va... je me range chez ma maman. Puis ma voisine va me détester parce que ma sécheuse, je vais la laisser rouler. Puis elle fait du bruit. Quand elle finit, elle fait... Ben voilà. Mais je suis pas capable de... Il y a pas de moyen d'enlever le piton de son. Fait que je vais mettre des petites bottes. Puis on va aller m'acheter des bottes d'hiver. Puis peut-être un autre vêtement chez Dynamite parce que j'ai reçu un 20% de rabais. Quand t'achètes chez Dynamite, t'as comme des stades, là, puis t'as des rabais. C'est mon truc. C'est ça, je vais faire ça puis on y va. Yo tout le monde! Donc je viens de finir le petit magasinage. Finalement on était au sel et au Canon Tire. Fait que j'ai trouvé juste des bottes au sel parce que il y avait rien. Ou sinon, ce qu'il y avait, ben c'était vraiment pas en spécial. Fait que je comprends avec le terme de pandémie et tout. Mais j'étais vraiment contente parce que j'ai pu parler avec mes amis aux caisses parce que c'était ça mon poste quand j'étais chez sel. Fait que j'ai parlé avec Marie-Pascal, Alicia puis Avishka. Fait que il y avait mes trois amis là, j'étais vraiment contente, mais là j'étais avec ma mère et ma grand-mère, fait que fallait que je m'en aille, mais j'aurais vraiment le goût de passer genre l'après-midi avec eux là, je m'ennuie vraiment. On était tellement une belle gang là, vraiment. Puis fait que s'ils passent par là mes amis, ben bonjour, puis je m'ennuie de vous. Puis j'aurais aimé ça de voir tout le monde. Mais que c'était pas mal cool, c'est ça. Puis après ça on a eu Ken Tire, j'ai trouvé je voulais voir s'il y a des plantes, parce que souvent je vois que tout le monde genre dit que les cacaries, souvent, mettons, Home Depot pis tout, là, ils ont des plantes presque mortes qui vendent comme 2$, puis
comme j'ai acheté l'engrais à plantes RX, que je suis sûre que ça va faire des miracles, j'ai le goût justement d'acheter des plantes pas chères puis essayer de les faire revivre, tant qu'avoir des bons produits. Mais il n'y en avait pas au Cantire, fait que j'étais, ben, je sais ça, mon plan n'a pas marché à ce niveau-là. Fait que on a été, ma mère avait besoin d'autres affaires, fait que j'étais avec ma grand-mère fouiner des produits nettoyants, parce que la meilleure personne selon moi pour me parler des produits, c'est ben ma grand-mère. Fait que finalement j'ai acheté trois produits que je vais vous montrer là, c'est juste des produits que je n'avais pas, puis que c'est toujours bon à avoir parce que des fois justement tu peux avoir une petite problématique, puis ben, au moins t'as ces produits-là. Et c'est pas mal ça, sinon ben tout ce que j'avais besoin d'acheter, finalement je l'ai acheté moi chez Amazon ce matin, fait que c'était un petit peu niaiseux mon affaire, mais comme bien. Fait que là, je voulais pas aller faire l'épicerie avec ma mère et ma grand-mère, là, ça sert à rien. Fait que j'ai... Voyons! Fait que je les ai quittés! Puis là, je me dirige vers mon fameux IGA pour aller faire ma petite épicerie. Donc, c'est ça. Puis sinon, je voulais peut-être vous parler d'une anecdote que j'ai vécue vendredi avant de partir à job. Dans le fond, souvent, vous me demandez qu'est-ce que je fais au concessionnaire. Ben, en partie, ma job, c'est... Quand mon boss achète un véhicule, ben je reçois comme la filière disant, mettons, ben c'est quoi là, mettons, c'était une Dodge Caravan 2016, la couleur, le kilométrage, automatique, tout, tu sais, je reçois comme le CV du char, hein, mettons, le pedigree. Moi, ma job, c'est de le mettre sur Internet, sur Facebook, blablabla, et tout. Puis quand il arrive, ben c'est ça. Quand il arrive, habituellement, moi, je prends le CV que je pourrais avoir, puis je m'en vais comparer le véhicule. Fait que je fais vraiment une inspection, disant est-ce qu'il était supposé avoir une bosse? Ben, y a-tu une bosse? Y a-tu plus de graphisme? Est-ce que le pare-brise, il est éclaté? Est-ce qu'il faut le changer? C'est-tu la bonne couleur? Est-ce que manque-tu quelque chose? Mettons, il manquait une radio dans le char. Est-ce qu'il manque le kilométrage et tout? Puis là, ce véhicule-là en particulier, on l'avait acheté d'un acheteur qui est venu nous le porter. Puis moi, ça me disait que le véhicule était supposé avoir 53 000 km. Quand il est arrivé, le véhicule en avait 54 000 km. Fait que là, je suis comme, ah ok, gars, ça se peut, il venait de loin, il venait de l'Ontario pis tout. T'sais, ça se peut bien, là, qu'il y ait eu 1 000 de plus. Il a roulé. Mais là, moi, quand j'ai regardé ce qu'on appelle le car proof ou le Carfax, c'est vraiment qu'est-ce que la SAC a comme données sur le véhicule. Fait que mettons sur ce papier-là qui est vraiment comme très formel, là, c'est vraiment quand vous achetez un char, c'est vraiment le papier que vous devriez voir. Fait que il est écrit, admettons, ok, le véhicule, il est supposé avoir tant de kilométrage. Le véhicule a eu tant de propriétaires. Le véhicule a été, mettons, X nombre de fois, mettons, il a été vendu en Ontario, puis là, il est acheté au Québec, ou il vient de tel endroit. Fait que c'est vraiment super important. Ce papier-là, il coûte 36 $, c'est ça que nous, on paye par véhicule. Vous pouvez l'acheter vous-même, là, c'est vraiment, c'est ce prix. Fait que, mettons que tu achètes un véhicule à ton voisin, ben, ce papier-là, tu vas sur Carfax ou carproof.com, puis tu marques le numéro de série du véhicule, puis ça va te sortir combien, c'est quoi le véhicule. Puis là, surtout, s'il y a eu des dommages au véhicule, il va être écrit sur ce papier-là. Parce que toutes les assurances, quand tu as un dommage, tu le réclames aux assurances, ça doit apparaître sur ce papier-là, le carproof. Puis là, c'est ça. Fait que là, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est quand j'ai regardé le carproof du véhicule pour voir s'il était accidenté, parce que faut qu'on le dise au vendeur quand un véhicule est accidenté, parce qu'on veut le dire à nos clients, tu sais, on veut transparence, honnêteté. Chez Aki Auto, c'est vraiment quelque chose de super important. Je me suis rendu compte que le véhicule était supposé avoir 163 000 km, mais moi, comme je vous dis, j'ai vu dans le dash, comme devant ici, là, qu'il y en avait 54. Fait que là, vous voyez qu'il y a comme une différence de comme 110 000 kilos. Que je comprenais pas. Fait que là, j'ai été dans. Regarder le numéro de série. Fait que j'ai regardé le numéro de série du papier. J'ai été regarder dans la porte. Ici, là, tu peux voir sur un papier numéro de série. Puis, où que ton pare-brise, tu vois aussi le numéro de série. Fait que j'ai comme tout comparé.
Puis aussi, ce que je fais, c'est souvent les véhicules, de plus en plus, tu peux comme faire des trajets pour calculer le nombre de kilomètres que tu fais. Fait que tu peux souvent, t'as le trajet 1, le trajet 2, après ça, puis tu reviens à tes kilométrages normaux. Fait que là, j'ai été voir si j'étais pas juste dans le trajet. Et non, il y a vraiment eu un problème de véhicule. Fait que je voulais juste vous dire, faire attention justement quand vous achetez un char. Puis moi, j'imagine que les concessionnaires font pas ça, là, mais tu sais, comme ce char-là, nous, ben on le retourne. Là. C'est non, on vend pas un char comme ça. Là. C'est non, c'est simplement non. Chez Akito, on vend pas ça. Fait que le char, il est retourné. Il a dit, ben non, on t'en l'achète pas, on va t'en avec. Même dans la vraie vie, faut faire attention. Faut justement, le petit papier que je vous parle qui coûte 36$, ben quand tu penses que tu vas acheter un char qui vaut ben de l'argent, tu sais, on s'entend que des fois, t'achètes, tu sais, moi, mon premier char, il m'a coûté 4000 pis tout, tu sais, c'est de l'argent là, que t'achètes. Ben, ce 36$-là vaut vraiment la peine, autant que le petit tour au mécano, ça vaut 100% la peine. Souvent, ça coûte comme 100$, là, l'inspection au mécano. Fait qu'on s'entend que c'est de l'argent que t'as. C'est pas de l'argent que tu piches dans, par-dessus la fenêtre, là. C'est de l'argent que ça va tout t'en faire sauver. Tu sais, justement, avoir un char qui était supposé avoir 5. Toi, tu penses qu'il y en a 54, finalement, il y en a 163 000. C'est parce qu'on s'entend que ton char, ton moteur, il t'avait de le rendre à 200 000 km. Puis ça veut dire que tout ça, c'est différent, là. Le moteur, les pneus, tu sais. L'huile, on s'entend que la timing belt, la pompe à l'eau, tout ça là, à 200 000, là, c'est quelque chose là, de gros là, qui arrive. Fait que c'est vraiment important de faire sûr quand tu achètes un véhicule qui est justement passé à l'inspection, puis achète le carproof. C'est peut-être comme 150$, mais c'est 150$ qui peut peut-être en faire sauver des milliers de dollars. Parce que mettons que tu le sais pas, là, tu vois que le véhicule est bien propre, mais finalement, t'sais, peut-être que le gars il a changé le moteur, peut-être qu'il a reculé ton kilométrage, c'est vraiment pas bon. Peut-être que le gars il a eu plein d'accidents puis il a juste comme fait tout le body, fait que ça paraît pas, mais c'est peut-être comme mécaniquement à l'intérieur que le char, t'sais, comme ce que je pourrais vous dire, c'est admettons, t'sais, des fois là, c'est niaiseux, mais t'sais, nous-mêmes, on peut tomber à terre. Sur le coup, ton extérieur ça paraît pas, mais ça se peut que t'as fait des. Tu t'es comme brisé à l'intérieur, ça se peut que ça soit ton os à l'intérieur, ça se peut que ça soit tes nerfs, tu fais peut-être une hémorragie à l'intérieur. Fait que c'est la même affaire pour un véhicule. Si ton véhicule pogne un accident, ça peut être, oui, ok, c'est facile de réparer l'extérieur puis ça paraisse plus, mais ça se peut que l'intérieur de ton véhicule soit brisé puis c'est là que ça coûte cher. Fait que je voulais juste vous dire ça, de faire attention, surtout si vous achetez un véhicule usagé d'un particulier, de ton voisin, de quelqu'un que tu connais. Tu connais pas pantoute. Moi, je vous dis, un véhicule, faut faire attention. Ça jette pas d'un concessionnaire. Puis même, tous les concessionnaires, habituellement, ils te montrent ton carproof. Là. Fait que ça, c'est pas un problème non plus. Fait que c'est ça pour mon petit speech. Je m'en vais à l'épicerie. Vous allez voir ça dans une autre vidéo. Mais je vous reviens pour vous montrer mes bottes et ce que j'ai pris au Canadian Tire tantôt. Fait que, à tantôt! Bon, je viens de finir ma vidéo de haul d'épicerie. Donc, ça vous tente? Et là, j'ai fait une découverte au niveau du café glacé, mes amis. Fait que si vous voulez aller voir c'est quoi, juste vous rendre sur ma vidéo. Ça devrait être en ligne avant ou après. C'est tout. Donc, je vais vous montrer mes achats non pertinents du Canadian Tire. Donc, tout d'abord, j'ai pris du Easy Off parce que j'ai rien pour laver mon four. Et j'en avais vraiment besoin. Fait que ma grand-maman me conseillait celui-là. Puis Go Clean Co aussi, le compte Instagram disait que c'était écœurant pour laver son four. Fait qu'on va essayer ça. Après ça, Will et moi, on a bien la misère avec nos drains parce que j'ai des longs cheveux, puis pas, puis j'ai peur. Et là, ma grand-maman m'a suggéré de prendre ça, fait que j'ai pris du Draino. Fait que c'est celui-là. Il y a plusieurs Draino qui existent. Ben, c'est une marque, là. Fait qu'il y a plusieurs produits qui existent. Mais moi, j'ai vraiment pris celui qui est marqué pour fonce à travers les bouchons de cheveux tenaces. Fait que c'est vraiment celui-là. Mais il y en existe un autre qui est pour... Dans le fond, du Draino, là, c'est du débouche-tuyau, là. Fait que... c'est ça. Si t'as une tank septique, c'est absolument pas bon pour toi. Mais si t'es comme moi puis t'as les égouts de la ville, le Draino, c'est la vie. Puis il existe, celui-là, c'est vraiment comme du
du liquide, puis il y en a un autre, c'est des granules pour, mettons, si tu veux le mettre dans ton lavabo. Fait que, on va utiliser ça pour la toilette et, ben, c'est un débouche-tuyau. On va mettre un petit peu dans la toilette, puis dans le... J'ai oublié le nom... La douche. La douche. Fait que j'ai acheté ça. Et le dernier produit que j'ai acheté, c'est juste parce que souvent, j'ai remarqué qu'on en a besoin, puis ben, j'en avais pas. Fait que j'en ai acheté. C'est du Goo Gone. Goo Gone. Fait que c'est vraiment... ça, c'est fait pour enlever tous les petits collants, là. Tu sais, mettons... t'as acheté un verre de Dollarama pis t'es pas capable d'enlever le collant, ben ça, ça va l'enlever. T'es pas capable d'enlever une étiquette d'un pot parce que t'aimerais ça réutiliser le pot, mais le collant s'enlève pas, ça, ça va l'enlever. T'as de la gomme en dessous de ton soulier, ça, ça va l'enlever. Vraiment, là, c'est vraiment un dissolvant pour colle et adhésif que j'en ai acheté. Il en faut toujours. Fait que tout ça, c'est trois produits que j'en avais pas chez moi pis que je crois que c'est bon d'avoir chez soi. Après ça, la petite trouvaille que j'ai faite chez Sale, j'ai acheté mes futurs bas d'hiver de l'année prochaine. Fait que c'est ce modèle-là que j'ai pris. Il est tellement beau. C'est la marque Kamik. Et c'est le modèle... Rogue 9. Donc moi, je pars des 6. Fait que c'est des souliers imperméables. Moins 30 degrés et anti-odeur, whatever. Là. Fait que sont super beaux, puis je les ai eu à 50% de rabais. Que je pense que c'était la seule paire qui restait. Je pense que c'était genre, ouais, c'est ça. Je pense que c'était vraiment la dernière paire du sel à Vaudreuil. Je suis désolée. Parce qu'il n'y a même pas de boîte qui venait avec. Que moi, c'est correct. J'ai parlé avec mes collègues, j'ai demandé, j'ai essayé comme 8 paires de bottes. Mais en ce moment, il y a ceux qui était vraiment de qualité et qui me plaisait, était comme 250$ plus taxes, pas de rabais. Fait que là, j'ai été checker dans le rayon, j'en ai essayé 4 pas de rabais, puis j'en ai essayé 4 avec des rabais. Puis finalement, ben, c'est avec rabais qui a gagné. Fait qu'elle m'a revenu à, c'était vraiment pas cher là, au lieu de 150, ils m'ont revenu à 75 plus taxes. Fait que c'est vraiment plus ça que je voulais payer. Fait que je suis super contente là, que de ces bottes-là. Je voulais des bottes un petit peu plus taillotes. Je voulais qu'ils soient vraiment imperméables. Parce que puis je suis vraiment contente de la semelle, comme ça, ça va me permettre de pas trop glisser. Parce que dans le fond, moi, là, le besoin que j'ai expliqué, c'est que moi, je suis dans le concessionnaire. Mais là, je sors dehors pour aller dans un char. Mais tu sais, comme en dedans puis le char, il n'y a pas de neige. Mais c'est vraiment entre les chars. Les bancs de neige souvent sont super hauts. Fait que j'ai besoin d'une botte justement que la neige va pas rentrer dans le soulier. Tu sais, j'ai pas besoin d'une botte d'hiver écœurante parce que ça, j'en ai des bottes pour faire du skidoo ou du 4 roues. C'est pas ça le problème. C'est vraiment, j'avais besoin d'une botte parce qu'en ce moment, eux, ce que j'ai de chez Yellow veulent pas de la marde. Je suis désolée, j'adore Yellow, mais après une saison, ils sont capotes, là. Fait que j'espère que ceux-là vont me durer au moins 2 ans. Je sais que c'est à 50% de rabais, mais je connais ça, Camille. Je pense que c'est ça, garantie 2 ans. Fait que j'aimerais ça au moins qu'il dure 2 à 3 saisons. Tu sais, pour 75$, ça va. À 150$, j'aurais peut-être me reparler, là. Fait que c'est mon petit achat de chez Serge. Je suis vraiment contente. Et le dernier produit que je voulais vous montrer, j'ai reçu ma commande Tupperware. Oh oui, oui. Oh oui, oui. Moi, je suis pas représentante. Ça me tente pas. Ça me tente pas d'être représentante de rien dans la vie. Et non, ça me tente pas. Si je serais, si je serais représentante, là, ça serait genre, on va dire une joke, là, genre je serais représentante Eros, là, pour les produits, les jouets de couple et de solo. Fait que moi, je serais plus, c'est une joke, là, mais je sais pas, je crois pas à ça, là, être représentante, là. Mais j'adore que mes amies soient représentantes parce que quand j'en ai besoin, elles sont là pour moi. Donc moi, j'en avais quelques-uns dans la collection comme ça. J'ai aucune idée comme c'est quoi le nom de la collection, là, mais des contenants pour garde-manger. Moi, je prends toujours capuchon noir. Puis j'aime ça parce que je peux les étiqueter comme ça. Fait que ça, c'est ma première étiqueteuse. Mais là, j'ai une Dimo, fait que les étiquettes, je vais toutes les refaire pour que tout soit pareil. Puis en plus, j'aimerais ça que ce soit par le devant et non sur le côté. Fait que je vais toutes les refaire, mais c'est ça. Fait que ça, c'est la collection que j'avais. Fait que là, j'ai été me chercher la grosse collection parce qu'elle est venue à 50% de rabais au mois de janvier.
ça fait 2 mois arrivé. Fait que j'ai acheté ça. Fait que dans le fond, j'ai 2 contenants comme ça, que ça va sûrement être pour aucune idée. Un produit quelconque. Okay, j'en ai 2 comme ça, des ovales, qui contiennent aucune idée. Et c'est important. 1.8 litres, ça vous intéresse? Fait que j'ai acheté celui-là. Après ça, j'en ai un qui est comme carré comme ça, mais qui est vraiment pas profond. Fait que je sais pas pourquoi c'est à quoi c'est bon. Mais bon. Ok, il est comme ça. Après ça, j'en ai un ben, de la même grandeur, mais il est vraiment plus profond. Vous voyez là, la différence, là, c'est flagrant là. Et après ça, j'en ai un autre qui est comme le double de l'autre. Encore une fois, c'est comme ça. Et après ça, j'en ai encore un autre. Allez. Fait que celui-là, moi je l'ai déjà. Puis je mets ma farine dedans. Parce que moi, souvent, j'ajoute énormément de farine à shot. Fait que j'adore celui-là. J'avais aussi celui-là pour faire de la farine. Fait que ceux-là, je vais pouvoir mettre de sucre, cassonade, sucre en poudre, gruyot, name it, là, des petits. C'est écœurant. Fait que j'ai acheté ça. Écoutez, je pense qu'au lieu de 190, il était 50% de rabais. Fait que j'ai acheté ça, puis c'est comme je vous dis, j'avais déjà acheté à l'unité quelques-uns de l'autre collection. Fait que c'est pas mal ça pour mon petit old sale Cantire Tupperware. On va prendre une petite gorgée. Et là, il est déjà le temps de vous dire au revoir. Parce que mon amoureux est là, puis je l'ai pas vu depuis... Cette semaine, on s'est tellement pas vu. Fait que là, j'ai vraiment juste hâte de comme écouter Grey's Anatomy dans ses bras. C'est ça que j'ai le goût de faire. Et ce soir, on mange un super bon tartare. Je mange un super bon tartare. Et lui, je vais lui faire des ailes au poulet. J'ai même, depuis que je suis capable de me faire. Depuis que j'ai découvert que c'est facile de faire du tartare, j'ai un craving de ça. J'adore le tartare. C'est fancy. Puis. Moi, en plus, j'ai dû un bon vin blanc Kim Crawford qui m'attend. Fait que ça. Et j'ai. Il faut que je le montre, par contre. Hier, j'ai commandé du Saint-Hubert, là. Ça a été de la marque. Mais ce qui n'a pas été de la marque, c'est que j'ai acheté le nouveau gâteau Célébration, celui-là, de chez Saint-Hubert. Et mes amis, il est excellent. Je ne sais pas s'il se vend ailleurs, là. Je vais vous montrer de l'autre côté. Il est super bon. Puis là, hier, j'en ai mangé la moitié. Il y a plein de petits morceaux. Ah, là, ils sont mous. Eh, c'est mou. Hier, tout était dur. Fait que c'est vraiment une mousse. Puis à l'intérieur, un gâteau. Puis dans le fond, c'est comme la petite crémage, là. C'est super bon. Fait que ce soir, le tartare, vin blanc, petit biscottis. J'ai pas de frites, c'est pas grave. Puis on va finir avec ça. J'ai oublié d'acheter des frites tantôt. Donc c'est ça. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si je sais pas, j'ai plus tellement parlé de choses aujourd'hui. Je m'excuse, je suis vraiment mélangée. Mais moi j'aimais ça vous apporter avec moi le dimanche jamais. Donc truc, j'ai. Vous êtes mes chums de filles avec moi qui me suivent toute la journée. Ça fait du bien. Fait que c'est pas mal ça. Fait que là, je suis pas mal. Je pense. Je vais aller m'écraser. Je vais aller voir mon chum, il gagne. On va lui demander d'arrêter de gamer. Puis je vais m'écraser avec lui. Fait que merci d'avoir regardé la vidéo. Et nous, on se dit à une prochaine. Ben, à bientôt, simplement. Bye tout le monde!